Alice, nous sommes dans une chambre à coucher. Alors, c'est beaucoup d'observations pour ce niveau, hein. On voit des lampes qui sont roses, on voit des boîtes bleues. Enfin, pas toutes roses, parce que j'ai trois lampes là. Et puis, des plantes vertes. Voilà. Donc, je vais m'occuper dans un premier temps de la télé, parce qu'elle peut nous amener des indices, c'est sûr. Je vais aller taper là, entre le meuble et ce pot de fleurs. Et je trouve une prise de protection contre la foudre. Là, le nom m'échappe, c'est pour ça que je dis ça. Que je ramasse. Je dézoome et puis ça va me servir ça à brancher ma télé. Donc, je la sélectionne. Voilà. Et là, j'ai un indice. Pot moins lampe. Et je dois trouver une valeur. Alors, les pots moins les lampes. Un pot, deux pots, trois, quatre pots. Une, deux, trois lampes. Et il n'y en a pas là. Donc, quatre pots moins trois lampes égale 1. La différence est de 1. Eh bien, je rallume ma télé. Ici, je vais mettre 1 et entrée. Et là, j'ai un nouvel indice. Enfin, 3 exactement. Plante, lampe, livre. Livre ou ce que j'appelais boîte tout à l'heure, moi. Plante, lampe et livre. On va regarder un petit peu. Les plantes sont vertes. Les lampes, on va pas celles-ci, mais elles sont roses. Et les livres sont bleus. Et bien ça, ça nous sert à aller dans le bas de cette armoire, à ouvrir ce tiroir. Et lorsqu'on le veut prendre la clé, la seule façon de l'avoir, c'est d'indiquer les couleurs que l'on vient de voir, plantes, lampes et livres, dans ce sens. Donc les plantes sont vertes. Les lampes sont roses. Et les livres sont bleus. J'appuie sur le bouton. Maintenant, la clé est ici. Maintenant que j'ai cette clé, eh bien, je vais pouvoir dézoomer, me diriger vers la porte de sortie, prendre la clé, la placer. Et ainsi, je passe au niveau 7.